Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, pour cette recette, voici les ingrédients. Du persil, j'ai pris du persil plat, une demi-botte de persil, des tomates, de l'huile d'olive, des biscottes, des gousses d'ail, du poivre et du sel. Ben écoutez, c'est parti pour la recette. Alors, avant de commencer la recette, je vais d'abord réchauffer mon four. Réchauffer mon four à 180. Voilà mes loulous pour aujourd'hui, une petite recette facile et rapide à préparer. Recette sublissime, tomate à la provençale. Alors c'est encore très très chaud. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si on verra bien de plus près. Alors dans l'idéal, en tous les cas pour ma part, je préfère prendre des tomates pas trop grosses. Comme ça, quand on va la prendre pour la manger, on n'a pas besoin de la couper. Hein, elles sont quand même de taille pas très très grosse. Et mettre directement dans la bouche, ça va être une explosion de saveur. Je vous garantis une explosion de saveur. Et vraiment tip top. Sur ce, mes loulous, passez une agréable journée. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt, mes loulous. Bye.